Coucou. Alors en fait cette vidéo était pas du tout prévue, c'est pour ça que je filme avec mon portable et pas avec mon appareil photo. En fait là on est allé dans un... comment dire, il y avait une exposition de jeux vidéo et c'était pas du tout prévu. Je regarde là, c'est ici. J'ai décidé de filmer parce que pour le moment ça commence vraiment bien et ça a l'air vachement sympa, donc je filmerai ça pour vous. Et donc désolée pour la qualité si elle est pas super, je sais pas si vous m'entendez parce que la musique est super forte. Là on a des jeux d'arcade qui sont super vieux, Donkey Kong, la vache, et en fait on peut jouer même, j'ai l'impression. Je suis qui? Je peux pas jouer là? Ah, player one. Ok. Oh, c'est vieux ça. C'est perdu. Fini, on essaye un autre. Il y a même le jeu Pong. Putain, en vrai ça a l'air trop dur. Trop dur. Ça va? Trop dur tout seul à jouer. Oh putain, ça a l'air trop dur. Là il y a d'autres jeux d'arcade encore. Oh. Oh là là, trop vieux ça aussi. Ouais, c'est anglais. Hey, tu peux choisir plusieurs jeux en fait. Ah. Oh, trop stylé les dessins. Fatal Fury. Vas-y, moi je... Ça, c'est tellement old school quoi, c'est trop stylé. Là il y a écrit que c'est une collection privée. Cette machine elle appartient à quelqu'un. Il a tellement de chance. C'est sympa aussi, on peut voir comment le jeu a été créé. C'est écrit en japonais. Les différentes versions. Moi j'ai pas encore connu ça. Ça c'est... je suis trop jeune pour avoir connu cette version là. Je sais pas du tout comment y jouer. Il y a même la Famicom et c'est trop chiant. Ça c'est le début, ça. Ça c'est moi. C'était ma jeunesse. Ça va? Elle est pas mal, hein? Ce jeu, les commandes sont trop bizarres. Vas-y, comment est-ce qu'on avance? Comment? Jackson. Vas-y, dun, 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 dun. Et puis écoutez, on entend la... l'heure passée. Il a l'air tellement bizarre ce jeu. Oh, les gens de ma génération là. Là on est à notre enfance là. Là on est retourné au moment de notre enfance. Ouh là là, toi tu me fais de l'œil là. On peut même jouer à la guitare, c'est trop cool. En plus c'est trop bien parce qu'il y a genre personne. Du coup on peut faire tous les jeux comme on veut. Il y a aussi Cuphead avec la Xbox. Thank you.
était trop mignon le petit champignon. Pokémon! Trop bien! Pokémon! Putain, c'est tellement vieux ça! Moi, je jouais ça sur la Game Boy! Ah, c'est sympa là, il y a les dessins, les croquis. Hein? Ouais, ah, les Sims, ouais. Les GTA? Ah oui, il y a GTA. Oh, GTA Vice City. Là, il y a des trucs sur GTA aussi. Détroit, tu vois que tu vas aussi. C'est fort, quand même, c'est vrai. Hé, il y a ma Game Boy Color. Et... oh putain, j'étais jeune. Ça, d'ailleurs, je l'ai aussi, là. La Nintendo... avant qu'elle devienne la Nintendo DS, voilà. Celle-là, là. La vieille version, la première version, là. Le Tank, je l'ai encore. Et elle marche encore. Et là, on a d'autres versions. Et après, tout ça, je l'ai pas eu. On dirait qu'ils ont fait ça toute leur vie. Il a peur. J'ai trop peur. Il y a plein qui se passe là. J'ai pas envie de regarder. Tu dois regarder. Bon ben voilà, c'est fini. C'était très intéressant, surtout pour les jeunes, les n'importe quoi, les jeux qui étaient genre super vieux, genre jeux d'arcade et tout, parce que ça, nous, on peut pas y jouer si on met pas de pièces, ou sauf si on a une arcade, quoi. Mais bon. Donc c'était vraiment sympa d'avoir pu jouer à tout, et puis on suivait en fait l'histoire des jeux vidéo. D'abord c'était les vieux jeux, après les jeux, moi quand j'étais jeune, après maintenant les jeux, il y avait la PS4 et tout, et puis maintenant il y avait aussi à la fin, il y avait la VR et tout. J'ai essayé un jeu de comment ça s'appelle là, de... ah, Fantôme, ça m'a fait trop peur, mais maintenant j'ai trop mal au cœur. À chaque fois que je joue à la VR, j'ai trop trop mal au cœur après, donc bon. Enfin voilà, en tout cas c'était sympa, et puis j'espère que la vidéo vous aura plu. Désolée pour la qualité, c'est pas super, mais voilà, je me suis dit que c'était intéressant de vous filmer ça, et j'ai l'air super fatiguée, je suis en train de le voir. Vivement les vacances.